La police débarqué dans fief yon base gang dans Liankou menegyo a fonctionné dans localité nan Dig. Et bien la police te débarqué pour te capable libérer 4 moun ke bandi yo même yo te séquestré. Après moun sa ou te nan route pour t'al fond dépôt dans une banque commerciale. M'bral bon tout détail ici là et puis fòm di ou pays Canada annoncé gagnon lo véhicule blindé qui sous l'an mer là pour rive joine institution policière là dans pays d'Haïti. Assurément c'est reste chablende que gouvernement haïtien t'a acheté dans mes pays Canada. On va joindre tout détail ici là et puis faut me dire gain plus passé 600 moun qui mouri dans question accident dans annexe de passé là, gain plus que 4000 qui sorti blessé dans plus que 1000 cas qui ont recensé dans question accident. Et puis faut me dire gain secrétaire général adjoint Sénat République là, li mandé avec ancien sénateur véhicule qui était dans mes matériel que Sénat te prêté ou te capable fonctionner pendant ray yo a comme ray la likaba et bien tourner by institution ça que yo te prêté yo parce que yo connaît gampé là do droite longue yo y a tout kembe véhicule yo tant pri souple yo ba yo on délai fixe pour capable poter tout ça qui pas pour yo mon remettre institution qui c'est Sénat République. Bra bon tout détail nous va parler en pile causé qui te me dit la police tan men yon opération dans localité Liankou mais plus précisément c'est dans Dig pour moun ki konn kati sa et très bien gen un paquet jeune garçon jeune femme qui choisi mouté en groupe armé pour capable théoriser moun kap viv dans localité si là. Et bien selon information que me gagne gen 4 moun que bandi sa ou mes chers amis yo te séquestré yo te kidnappé moun sa yo pendant yo te dans route pour te capable al faire un dépôt dans banque commerciale mais l'argent pas de piti. Mais suite avec moun ki nan fief victime si la yo, c'est-à-dire et sa reli rat kay kap manje pay kay, et bien li tap pral bay information sa yo avec bandi nan dig yo, et bien nèg nan dig yo tap tann moun sa yo pral ale pandan yo soud pou ale nan banque commerciale la, yo pran yo nan kou pa comprendre, yo kidnappé yo rentre avec yo nan base et bien l'agent ça yo prend nan main victime. Bien la police même qui était sous brezeng et forme de ces unité Udmo qui était en main opération ça, c'était une opération qui était vraiment difficile mes chers amis, qui était dit plus de 3 heures de temps, coup de balle a toqué, coup de balle fait mikalao et au final bandi pas capable résister, yo t'a pral obligé vider les lieux pour bail accès. Alors avec la police c'est pas un bail gratis non c'est bon faire cadeau la police t'est campé pour te battre avec negyo mais peut-être negyo ressources balio ça elle était vinn kaba negyo là qui koyo dans rage puis la police t'a pral gain accès pour l'entrée paisiblement dans espace là pour être capable libérer 4 moun si la yo que bandi yo t'est kembé en otage après ou te fin prend yo dans moment ou t'a pral fait un dépôt la banque mais j'aime te dire c'est un moun qui nan fief victime yo qui te baye bandi yo détail qui te baye bandi yo information concernant l'argent ça qui nèg yo t'a pral déposer dans banque commerciale et puis nèg yo fait ça quoi et puis quoi réussi mais Dieu merci la police arrive libéré moun sa yo gratis ti chéri zo on prend pas gè c'est pral mettre sous mais faut me dire gè dans cadre opération ça gagne arrestation qui fait gè en pile moun qui paraît suspect dans dossier ça que la police arrive arrêté et la police fait connait depuis ces gang qui a opéré dans Digon dans Savien gen pile moun ki la police arrêté nan Brinsi la parce que yo di moun sa yo yo c'est antenne pour bandi yo capable fonctionner nan Savien nan Dig Liankou est-ce qu'on prend un paquet zone encore qui pourri senti avec bandi et bien la police même dit la fait travail comme ça doit pour louer comment capable fini avec Citizens Gang dans localité Liankou. En tout cas mes chers amis, c'est un bel coup de filet, c'est une belle opération qui méritait un gros bravo pour la police là, mais en même temps, un bagage qui est important pour me dire nous. Il est toujours important. Moun nou gen nan fief ou apprendre konnen parce que journée jodi a au lieu pour n'ap augmenter lis zanmi tay nou, li ta pi bon pou n'ta fon réduction. Est-ce qu'on comprend parce que ouais moun nan parfois ou faute avec moun nan chaque jour tandis que ou pa konnen ki activité la mené ki mauvaise ki nan ki mauvaise affaire que non absité qu'elle impliquée et puis sortant de ya c'est l'on prend connait ou bien c'est les ou victimes en bas mais moun ça ou pral connait qui laisse qui moun. Est-ce qu'on comprend li toujours important dans moment ça mes chers amis pour nous comment nous capable régresser comprendre bien oui papa al nan fè stap zanmi tay al chita bwe bien pou moun rap konn a fò l'explika fò gran moun gonba yo tout chien fè rêv li rêv chien li rete nan kèl gen pile moun la se fè wè so reprann se ti bonjou ke yo yé sortan de ya la pral fon bagay la tout
population, tout quartier côté où habité, yo gitan au compte pour dire intel c'est gros affaire. Même tout dit ça, dans pays d'Haïti, on moun mette gen l'argent dans tout coq don, ou mette jo les gens pour jo les pays d'Haïti conjoncti qui na vive actuellement dans pays a, li pa gen place pour faire jo les. Soit gagnen qui mel en tout même avec bon Dieu ou bien avec madame. Moun ou peut-être ou connaît très bien qui va trahir, ça important. Et même si kon moun nan très bien, bon minimum de réserve ou si vous faire pour moun ça. Ça important oui. En tout cas, non pas me tinek en tout prêt là comme ça déjà qui te me dit pendant en pile nous là, nous espérer et gon en force militaire étrangère qui sorti l'autre bord de pour venir là, pour venir porter une sécurité avec question insécurité ça, et ben faut me dit nous pays Canada par les billets de Mélanie Joly qui c'est ministre affaires étrangères dans pays Canada, lui annoncer si reste Chablain dès qu'il était arrêté pour te livrer. Au pays Canada et Canada te livré pays d'Haïti yo après gouvernement haïtien te fin acheter chasse pour combien millions nous c'est 20 chablen de qu'il teye. Et bien reste là selon Mélanie Joly le fait qu'on est yo déjà sous la mer pour y arriver dans pays d'Haïti pour y remettre li avec alors pour remettre yo ensemble avec institution policière là pour capable bay la police là bourade baljaret mais baljaret là c'est pour bay gratis c'est gouvernement haïtien même qui t'a acheté Chablain de Silayo pour regarder comment capable river dans fièvre bandiyo comment capable bay bandiyo remède que yo t'ai besoin depuis dik d'antan même m'a dit nous la gon paquet Chablain de qui Canada ba nous déjà pour moi même beau satisfait non parce que m'te gen t'a fait Jean information t'est tombé m'te gen t'en prendre faire en pile moun qui au content pral gen M60 toute tête Chablain de vous comprenez m'boko ouais faut ta di ba yo vinn piment gon mais ba yo vinn pi empiré chaque jour mon Dieu mette. En tout cas, dégagez-nous France LB sous que connou pour nous comment nous capable gérer ça pour nous comment bandi ça au capable en pile problème dans la République comment yo va mettre de l'eau dans divin ou bien baoti comprimé ya pour yo dormir pour pas gagne droit jambe lever et si bon rêve que on va le faire faut le faire douvant papa baron ça qui est important en pile pour année 2022 là stop accident li recensé gain 1155 cas accident qui fait. Haïti gen 1155 accidents qui enregistré. Ça et ça loué oui, bon le parler selon recensement qu'il fait. Et ben dans 1155 là, gen 641 moun qui passé de la vie à la mort. M'a parlé là pour l'année 2022 que se passé à là. Gen 4580 qui blessé gravement grave et qui a récupéré jusqu'à présent gen nan yo là qui couché sous cabane l'hôpital. Ça veut dire qui ça? Tarif accident a augmenté au jour le jour. Qui donc, li toujours important et même intéressant. On prend ça et mettre Amendo Alexis, tu toujours répété Paul ça et on a suivre coup de doigt. On comprend monsieur fait, on prend plusieurs coup pour moi, vous songez ça très clair. Mais mes chers amis, tendez. Li toujours bon pour nous apprendre. L'en sous route là, bouteille là qui dans mon là, li pas zanmi avec volant. On prend volant également, li pas zanmi avec bouteille là. Ou boire ou pas doit qu'on dit. Et il y a un pile accident dans 641 moun sa autant de mouri a pi fort c'est dans mois activité a mois décembre qui se passe la pi fort mouri dans accident pour responsable nèg la saute dans plage ou bien saute dans programme ni boîte tête la lou et me songe gon zanmi les samedi l'école lui me connait tande me là monsieur kon di moto li c'est nèg qui kon prend risque pour rouler moto avec deux moun derrière dou comprenez bien oui elle dit lui même c'est l'elle boue elle senti tête là un petit gens lou c'est les ça le senti le kon di pi bien. Ça te gagne 11 semaines de bulleté, dim ça, pendant que je suis dans l'école avec lui, je suis dans le blague, je suis dans le ça va pas trop bon. Lorsque on prend Pétionville pour descendre à mon cher, c'était un bon bagay. Et bien, mes chers amis, tendez bien. Mais c'est fini ça, 11 semaines. Je fais une semaine par le monde de ça qui passe, il va venir l'école, je vais contacter monsieur, le monsieur réussit par arrêter d'où va barrer l'école là, monsieur manque perdre son oreille. On prend bien, son oreille à moitié. Tout le figure le crase, il me dit ça qui passe, il dit comme ça, accident qu'il fait, là il frappe, non Mirai Wash. Il me dit bien, ça c'est résultat bouteille là, résultat tête loi. Vous comprenez, il a frappé le non mi, tête là on tient déchargé. Moi je ne comprends pas, non mes chers amis. En tout cas, l'autre détail qui est vraiment important, toujours faire attention de nous dans la route là. Et en pile fois, tellement de moto, capouille n'importe où, en square province. Ben la vie dégénéré, c'est eux même qui pouvez sous tête, tout chauffeur si vous avez sous tête pour et puis ne cap conduit moto à veiller sous tête pour et pas qui va le faire pour ça important. Le bagage encore secrétaire général adjoint sénat république là, donc on est là pas un sénateur qui donc c'est Ariel Henry qui c'est le chef
c'est l'excel lento. Alors c'était toujours comme ça, oui, parce que 10 sénateurs pas de il faut qu'il y ait 16 sénateurs pour te gagner quorum, pour te gagner on prend une réunion t'a fait dans parlement, mais négoté Dios rete là manger comme l'état jusqu'à ce que mandat prend fin. Et effectivement négo pas chef encore. Il y a tout sénateur Lambert, on prend Patrice Dumont, Ronny Célestin, etc. Kede, tout nek sa ou la, yo se ancien sénateur. Et ça, oui, l'on est l'homme chef la, belle tibagay, mais l'on fin chef la, l'être kon la. C'est tout l'on pas bon bon bilan. Est-ce que là, eh bien, secrétaire général adjoint Sénat République la, li mande avec ti messieurs yo. Tant pri souple, matériel que sénateur prête nous yo, pour nous être capable d'évacuer avec activité dans le moment où nous sommes sénateur ya. Et bien, comme nous passons encore, tant pis, s'il vous plaît, retournez matériel ça yo dans le Sénat. Nous avons des Patrice Dumont dit, c'est parce que la Cour Sénat, les saturés, pas qu'à prendre machine encore, qui fait que les pas là, et bien, le secrétaire Dimnet vient avec lui, il y a un gens pour empiler dans la Cour Sénat. Tendez bien, oui? Et nous avons date la messe pour nous passer en pile dans nous. Nous avons fait un chef conseil et puis nous avons pris d'assaut. Nous avons pris un style toujours MGO, fan style toujours MOF là. Est-ce que là, ben, poter au vili pour ne pas quitter bouche, secrétaire lui-même pour ne pas apprendre. Ça est important. 13 janvier, c'est date qui kembe pour nous déposer bagage ça. Et si nous quittons délai ça passer, il y a une disposition nécessaire qui a pris contre nous. C'est ça que Donald Justin, en tant que secrétaire adjoint Sénat, c'est ça qu'elle fait qu'on est dans micro la presse. Même ces informations qui me baillent, nous pas gain temps pour nous créer ça, nous pas jamais faire ça tout pour respect qu'il gagne pour fanatique nous yo. Pas oublier. Sécurité, ça son dossier n'a suffi hier dans émission de débat. Haïti en sécurité, qu'est-ce qui se passe à Cafoufeuille? Des blessés, 4 personnes et tuées, donc 2 policiers. On fera le point donc ce matin avec l'ancien Lionel Lazare et Abelson et Gounet. Non, alors c'est avec Lionel Lazare, n'a parlé. On a parlé avec Lionel Lazare. OK. On a les et Lionel Lazare, comment nous y est? Bonjour Louko et bonsoir Louko, bonsoir Isaïe César, bonsoir bien matin d'Afrique, bonsoir José Lexidome, salut tout auditeur auditrice et matin débat qui a coûté nous à travers PIA et pourquoi pas tout le monde qui a coûté nous dans diaspora, toute radio qui fait relais avec émission ça et bien content ensemble avec nous pour nous parler de problèmes de sécurité et par rapport à ça qui passé hier dans commune dans zone de Cafoufeuille. Très bien, quelques jours là comme si Cafoufeuille, moun yo pas dormi, kou zan m'ap tire, moun blessé, mais puis y a donc gen 2 policiers tombé et donc gen 4 moun pratiquement qui mouri. Ça k'ap passé donc Cafoufeuille. Quelle information gen sou Cafoufeuille, sa situation yé? Bon, nous connaît depuis yon bon bout de temps gen yon situation panique qui a développé dans zone ça, précisément dans zone de Savane Pistache. Nous connaît que gon groupe bandi qui t'est fait apparition plusieurs fois pour te prendre commissariat ça. Et grâce à vigilance la police qui t'est déployé toute force li et permettre que nous avons un gros coup de chapeau tout pour tout policier qui dans zone Cafoufeuille qui ont même t'est campé pour te dire non, ça pas qu'à fait dans zone nan. Et nous remercions et nous remercions tout ancien porte-parole SPNH 17 là, Abelson Gounet, qui nous t'est toujours qu'on communique presque chaque jour par rapport avec ça qui a passé pour nous regarder comment ça a été fait. Et nous remercions tout direction générale de la police, tout le même qui a fait tout ça qui dépend de lui, commissariat de Port-au-Prince, commissaire Luc Net Dumont, qui a même qu'on travaille sérieux que la fin bas. Et bien, qui s'arrivait Cafoufeuille hier aux environs de 5 heures. Maintenant commissariat de Port-au-Prince. Pendant que je suis commissariat de Port-au-Prince, je devine une urgence pour me déplacer. Et puis, je suis arrivé devant l'immigration, je recevais un coup de fil d'un policier qui dit que j'ai un gros déblosage dans la zone Cafoufeuille. Je me dis, qui s'est passé? Il dit, pourquoi qu'on est? Puisque le temps d'un pile tiré parce que le pour te rentrer la Cali, il est obligé de casser tête tournée, il n'est pas capable de rentrer et la Cali. Je suis arrivé d'elle la Cali. Et puis, je recevoir plusieurs messages sous groupe qui fait qu'on est que bandit a attaqué 2 policiers. Nous avons cherché information pour nous connaître. Il y a un monde qui dit bon, policier blessé, il a couru l'hôpital ensemble avec eux. Il y a l'autre monde tout qui dit policier mouri. Rapidement, nous avons mis l'équipe Sinapoa en branle pour nous chercher qu'on est qui ça va galayer. On connaît que à chaque fois que gagnent un événement comme ça qui passé, chaque groupe monde a tenté bayon explication. Li seulement c'est 2 policiers yo même seulement bien monde qui t'a assisté dans zone qui capable
et raconter faire comment ça était, mais c'est bien dommage que les policiers pas là. Ça bien, ça expliquer comment pas là passé, comment policiers sont fait nous même version par nous que nous jeunes au niveau Sénabois, c'est que policiers comme d'habitude ou qu'on est yo toujours fait checkpoint, yo toujours checké. Et puis gagné un camion marchandise puisque qu'on est que bon quantité camion c'est dans zone carrefour fait que yo passé, et bien policiers t'a fait un checkpoint. Et si vous suivez dans photo qui virale sur les réseaux sociaux après que bon policier qui mourit avec yon papier machine qui nan mel. Oui, oui. Papier machine ça effectivement c'est papier camion que yo t'a checké ya. Pour le moment camion ça li nan commissariat de Port-au-Prince et yo arrêté chauffeur parce que gen pile information pendant que monsieur a checké machine nan. Et puis gen un pick-up de couleur noire que yo pa gen tan rive identifier plaque là qui te gen quatre monsieur aboli armé jusqu'au dent. Et bien pendant que police a checké machine nan, et puis tout yo l'ouvri coup de zam sous policier, c'est ça nous joine comme information. Et jusqu'à présent c'est information ça qui gagne ou après que c'est pas seulement policier yo qui mouri, gagne deux l'autre monde encore qui mouri, sans compter gagne l'autre monde et qui blessé. Et bien information toujours parler t'a fait qu'on est que monsieur yo camion ça c'est pour yo qu'il était en parlant de monsieur qui l'ouvre coup de zam sous policier yo. C'est yo même qui t'a escorté camion, c'est camion que yo t'est vinde jusqu'à présent nous pas dit effectivement est-ce que information ça c'est lui même équipe enquêteur Sinapoa mène enquête sur ça. Et c'est comme ça information que nous joignons qui donc deux jeunes policiers qui t'a travaillé dans sous commissariat marché Salomon que yo témoigné que c'est des policiers qui remet travail yo en pile, c'est une raison qui fait être obligé permettre que yo rentre dans zone ça pour te checker et machine non. Et bien et policier au mouri, bon c'est bien dommage qu'on dans policier là qui c'est gendarme prévu la 31e promotion qui quitte madame ni tout enceinte. Et nous avons une délégation Sénapoa qui vient pour la Cali pour aller famille. Mais c'est bien dommage que c'est comme ça. Et bagaille passé, c'est comme ça que bagaille a fait. En 2022, nous avons compté 54 policiers que nous recensés au niveau Sénapoa qui mourent en Babal Bandi. Bon, premier et dans 10 premiers jours pour l'année, il y a deux policiers qui déjà mourent en Babal Bandi. Eh bien. Oh, nous, en tout cas, pays a vivre situation policière dans le pays. Il y a pile policiers qui mourent. Je crois que de temps en temps, on est intervenu pour dire qu'il y a quantité de policiers qui mourent, surtout pour l'année 2022. Mais est-ce que c'est une négligence ou bien est-ce que c'est des policiers qui en a fait? Comment est-ce que nous-mêmes, dans le syndicat, également la direction générale, nous voyons ça qui a passé là? Bon, moi-même, je pense que il n'y a pas de constat, il n'y a pas d'analyse qui fait. Il y a des policiers qui mourent sous champ de bataille. Par exemple, nous connaissons plusieurs policiers qui mourent quoi des bouquets, c'est pendant que les policiers sont dans l'opération. Il y a des policiers qui mourent, c'est pendant que les gens ont passé, ils ont vu des balles sous commissariat. Nous sommes jetés à l'époque, deux policiers qui mourent, ils ont aussi même balles sous commissariat qui n'ont pas des bouquets, qui rendent que les policiers mourent. Il y a des policiers tout qui mourent en civil, il y a des policiers tout qui mourent pendant qu'ils n'ont pas le travail ou bien pendant que yo pral et pendant y a sort travail. Mais nous pas quatre possibilités tout gen policier qui mouri c'est des règlements de compte qui donc en clair sur ça et qui donc en nous clair sur ça et c'est des règlements de compte gen des cas. Parce que si toutefois que bandit a tué policier, je ne garantis pas qu'il y a un policier encore. Et il y a des policiers qui mourent, c'est si bandit que oui. Soit la police arrête dans une zone, il y a un groupe gang qui monte dans la zone, et bien pour yo capable de fonctionner bien, il y aurait que c'est éliminer policier, et bien c'est comme ça que yo fait. Moi, je pense que je dis à la nan micro radio télé éclair, m'a tout profité de micro ça puisque m'tendais, parce que moi connais que un paquet de policiers qui attendait émission ça. En tant que policier, en tant que coordonnateur général Sinapoa, n'a demandé à collègues policiers nous pour pi prudent dans la rue. Gon paquet reproche contre une série de policiers qui travaillent, yo 3-4 policiers, yo tête à tête, yo nan téléphone. Ouais, c'est vrai. Et ou non la rue qui est extrêmement fragile, qui est extrêmement difficile, adversaire lui-même se ve la ve n'importe seconde que ou fait yon erreur pour le capable attaquer. Donc nous demandons des policiers pour yo pi prudent, faut que yo très vigilant.
pensez avec vieux d'abord, pensez à petite que vous gagnez, pensez avec madame, yo, pensez avec l'ensemble de policiers qui mourent dans la question et négligence. Et n'a dit policiers autour, les a fait checkpoint, faut que vous pipouillez dans tout, vigilant parce que nous, qu'on a remarqué que trois policiers seulement travaillent dans une zone, nous, tous les trois petits conseils machines. Côté couverture là, côté si gagnon yon attaque qui fait, qui est ce monde qui va riposter, qui est ce monde qui va l'aider. Et donc il est clair que jodi a là et n'a pas souhaité que à responsable, on connaît que bon paquet responsable dans commissariat qui fait responsable commissariat, responsable unité spécialisée, permettre que nous fait briefing pour policiers. Briefing là c'est permettre que les policiers pas le travail ou accorder l'on 15 minutes ou mettre toute policier campé dans la cour commissariat, dans la cour bazar pour rappeler yo encore ça a été apprendre yo académien comment supposé comporter yo. Et nous souhaitons que direction générale là et la fait travail ça parce que me parler avec directeur général la police là Lidim Lazare, oui, m d'accord ensemble avec vous, m parle avec toute équipe direction générale la police là qui yo même estimé que travail qu'on a fait tout au niveau Sinapoa pour sensibiliser les policiers, c'est ça. Et nous en 2023 nous souhaitons que tout le monde mette ensemble dans haut état-major au lieu que pour une division pour gain pas parler en pile en travail plutôt pour nous combattre insécurité à en garder comment qu'on mette avec équipe qui la directeur général la police qui là et bien pour nous quoi phénomène Eh bien, ok, qui non policier ça qui mourit hier dans Kafoufé là? Et puis, est-ce que nous récupérons le cadavre? Bon, le cadavre policier récupéré et puis hier après-midi, je te fais venir faire constat. Bon, okay. Une embarras que nous regrette, c'est parce que tu es venu retourner, tu es venu prendre Zamio, tu es en manche longue qui est dans les policiers, plus âme de point, mais tu es venu retourner, venu prendre. Deux policiers qui mourent, c'est Denis et Damsey, qui c'est 27e promotion, et puis tout Jadadi Prévilis, qui c'est 31e promotion, deux policiers sont dans ce commissariat, Marché Salomon. Très bien. La Zambarab, quand on a terminé l'interview ça avec vous, sans qu'il me batte Mado, nous-mêmes au niveau du syndicat, gain des policiers vraiment uniforme yo t'a mandé gagner l'autre uniforme comme si uniforme pas correct qui ça passé bon là? Bon bah c'est que gagner en pile du travail qu'a fait comme si uniforme blasé aime du comment comme si la mérité changer bon nous fait constat directeur général la police là et il prend toutes mesures déjà puisqu'on connaît le conseil de bagaille. Est-ce que l'uniforme c'est policier qui fait qui lui-même les gagne pour le faire uniforme ni ou bien c'est la police qui baille ou bien qu'on côté pour aller pour le faire l'uniforme? Moi je pense que actuellement là gagne un atelier de couture qui dans académie de police là et il y a accès avec uniforme s'il t'a besoin faire uniforme ou bien s'il t'a besoin uniforme gagne un atelier de couture qui là même pense que directeur général la police là yo grand pile monde qui était parlé avec lui sous ça n'a pas parlé que m'était gars avec lui le 28 décembre qui s'est passé là les Dim Lazare gon paquet de bagaille que yo déjà en marche yo déjà en coup pour permettre que gon l'autre image de la police nationale d'Haïti et c'est une raison qui fait que nous-mêmes nous encourager tout le monde qui dans bord de état-major la police ça en met tête ensemble en met ensemble pour nous capable gérer ça mais question uniforme là moi crois que sur route pour le résoudre. D'accord. Merci en pile. Du courage. Et bien là. Merci beaucoup, Loco. C'est ton plaisir. Ah bien, c'est donc Lionel Lazare, donc Sinapoa, donc syndicat et policier, donc dans la police nationale d'Haïti. Bon. Nous pas arriver à mettre en place des institutions. Et ça, nous ne pas mettre en place parce que nous avons une culture démocratique. Nous pas mettre un conseil électoral permanent en place parce qu'à chaque élection, pour chaque monde, il y a même pas dans poche pour faire l'élection pour eux. Donc, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Sous les mêmes acteurs politiques, avec la même mentalité, ou avec les mêmes résultats. Et de fait, en Haïti, élection pas jamais organisée à temps. Alors que l'élection doit gagner un jour pour l'organiser. Et l'élection doit gagner un jour pour le prêter serment. C'est ça le formalisme en droit, en matière de gouvernance. Parce que la forme, c'est ce extrêmement important. Constitution d'où, deuxième lundi de janvier, pour que le parlementaire entre en fonction. Mais c'est la constitution qui dit qu'on se pose respecter. Or, nous plutôt fondant, nous dit bon, si l'élection n'est pas faite, nous avons considéré qu'elle était faite. Donc, ça veut dire problème dans nous venons de l'ADN nous-mêmes, que nous n'avons pas résolu. Donc, qu'on y a là, c'est une question de culture, c'est une question d'éducation, c'est une question de l'école. Je veux dire, qui gagne l'école ou bien pour former les politiques? Pour ne pas gagner, hein?
côté l'école qui a formé, côté université. Donc, si pas une université dans le pays qui a formé le monde, ou pas une parti politique qui a formé le monde, ou pas une institution société civile qui a formé le monde, ou pas une l'État qui a formé le monde, eh bien, justement, pas besoin d'arriver à construire la démocratie. La démocratie, c'est son culture liée. Ah oui, son culture liée. Pour faire la démocratie, il faut une culture, il faut une triture, il faut une pratique. Donc, si pas une, on ne peut pas faire. Et pendant parler de partis politiques, moi, par contre, est-ce que dans le niveau 4, nous, peut-être, maintenant, enquête sur ça déjà, pour qu'on ait combien de partis politiques qui gagnent dans le pays, à combien de membres qui gagnent, comment ils ont organisé. Parce que là, par exemple, même dans l'accord, on a parlé là, donc, un peu le monde a dit qu'il y a un paquet de partis politiques qui passaient de présentation, qui ont même passé un accord, mais des fois, on est capable de demander tout. Le monde, ça a eu, le parti, ça a eu, est-ce que ce n'est pas seul coordonnateur qui a gagné? Oui, même le non, mais combien de membres qui sont inscrits et comment ils organisent. Est-ce que dans le niveau 4, nous menons une enquête comme ça pour garder les partis politiques, comment ils organisent, combien nous gagnons là, combien de membres qui sont, etc. Non, nous ne pouvons pas gagner un rapport sur les partis politiques à proprement parler, même parce que les questions soulevées sont des questions qui sont cruciales, qui m'ont dit pour nous, elles font travail comme ça. Et toute l'autre institution qui t'a intéressé par une démarche comme ça, parce que la démocratie que nous voulons construire, elle est basée également sur partis politiques vraiment qui modèle, qui standardisé. Mais je vous dis, nous connaissons que, au cas compter sous le doigt tout, quelques partis politiques vraiment qui ont un minimum. Mais si nous avons gardé gros longs partis politiques, si nous avons partis politiques, t'as de fonctionner, etc. Donc ça, très problématique. Et nous ne sommes pas capables de faire démocratie sans qu'on pas gagner du véritable parti politique. Parce que lorsqu'on fait élection, c'est vrai que les élections, nous-mêmes, dans le cadre, les concernent au premier chef, le citoyen. C'est le citoyen, parce que les élections sont question de droits humains, sont question de droit de vote qui est dicté, qui est évoqué, qui est consacré par, par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine relative aux droits de l'homme, la Constitution. Donc, élections sont mécanismes qui permettent que citoyens, hein, soit les choisis, il y a un monde qui pour exercer souveraineté à pour lui, soit regarder l'article 58 et suivant constitution, qui dit la souveraineté réside dans l'universalité des citoyens, ok, qui délègue l'exercice aux trois pouvoirs de l'État. Donc, citoyen capable soit voter pour un monde pour représenter, pour exercer souveraineté, puisque nous avons une démocratie directe, je sais pas qu'on fait dans l'antiquité à Athènes, etc. Côté que nous sommes en place publique, choisi Mounio, c'est démocratie représentative, etc. Donc, d'abord, citoyen a choisi représentant, c'est lui pour choisir. Donc, chaque citoyen a le droit pour choisir représentant. C'est pas génial, on pas choisi un premier ministre, un sénateur, un guerrier. C'est pour choisir représentant. Ou bien tout citoyen vrai qui décide gouverner pour devenir gouvernant. Donc, de ce double point de vue, eh bien, élections sont droits et de l'homme, c'est en particulier des droits civils et politiques, droits de la première génération. Donc, maintenant qu'on y a un parti politique, c'est une institution importante. Parce que c'est eux-mêmes qui peuvent le préparer et aider à faire éducation citoyenne. C'est eux-mêmes qui peuvent préparer les leaders qui pourront aller dans l'élection. C'est eux-mêmes qui peuvent avec le programme ou avec le côté mariage. En fait, donc, oh, je viens là, c'est retourner tes nègres là dans la valise du groupe parti politique. Ou par contre, ou tes nègres là, je dis deux montants de politiciens. Donc, c'est mariage ça. Oui, pour nous résoudre. Ou tes nègres là, je dis, dans tout à fait, tu es même le groupe papier, non, mais ils sont chefs du parti ou bien le chef d'organisation. Donc, en conclusion, il faut moderniser, il faut standardiser la vie politique. Ça veut dire que ensemble de partis politiques, on pense qu'il y a deux ténors qui supposent prendre leadership. Ça, parce que je dis, nous vont côté qu'on a cherché un accord politique, pour chercher un poste, ouais, pour aller chercher un poste ministre, c'est comme ça que la vie tourne là. Et puis c'est non soyez. Donc son travail, son gros travail, ouais, son gros travail, honnêtement. On va prêter conscience dans l'autre réalité, non. Tant qu'on gagne même acteur politique, yo, avec même mentalité, ya, même parti politique, yo, automatiquement, moun arrive sous pouvoir, eh bien, c'est qu'un bi pouvoir. Ou bien, ça qui passe pendant au moins 34 dernières années, là, et puis, moun a prend pouvoir, il a besoin de contrôler la justice. Or, on pas capable de faire démocratie, sous pas renforcer la justice. Or, chaque moun dit au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de contrôler la justice, à travers le ministère de la justice. Du coup, ou bien, non justice, eh bien, côté que l'exécutif a fait même isolé. On y a juste dit, justice n'a crasé. Ok, en par exemple, on prend sous prend dossier président Jovenel Moïse, pas qu'à gagner justice pour lui parce que nous pas vraiment renforcer la justice, sinon
ou gagne chaque juge d'instruction qui vient au décider mais aucun bien dossier pas ou non mais au cas actuel juge là il décide le prêt dossier lui bail tête du délai comme s'il doit pas de procédure les mêmes les prêt dossier ça pour lui donc lui qu'un dossier là bail il est OK si pour juge avant par exemple des gros délais qui la loi te prescrit eh bien doyen même lui font l'autre juge cadeau dossier ça que le taille sur mesure pour lui comprendre ça veut dire on vient non sorte de l'obéir en démocratie institutionnelle donc pour nous construire démocratie pour nous l'autre mentalité faut bien deux partis politiques modernes faut bien deux monde dans la société civile là qui qu'on rôle parce que c'est important c'est pas seulement les partis politiques non société civile là qu'on rôle dans l'échec ça oui qui fait là parce que société civile là c'est à part entière de la démocratie qui a un double rôle d'abord pour dénoncer ouais, mais pour aider sous table à construire l'état de droit parce que démocratie droits humains état de droit ils sont reliés par exemple nous même qui fait droits humains pas capable de respect droits humains sans un état de droit. Donc nous devons aider pour construire l'état de droit ça. Donc moi c'est que société civile a tout le rôle pour jouer dans ce sens là. Donc vraiment son chantier qui est énorme et même d'espérer que lorsque nous finissons passer étape crise parce qu'en Haïti nous toujours dans crise politique à chaque fois pour faire élection sont crise politique pour raison nous évoquer là parce que c'est toujours un jeu de mesdames, un jeu de dupes, un jeu de coquins qui a fait. Mais Dileoza, il n'a pas appelé où c'est secrétaire exécutif cette analyse à recherche en droit de l'homme qui c'est CAD n'a pas parlé la matin en prétexte là c'est troisième mandat, troisième rapport plutôt thématique que CAD lui-même lui fait sortir sous mandat constitutionnel Illinois notamment tiers sénat. Pour nous finir, pour nous capable mettre ton bout à interview ça matin, l'en considérer tout élément ça ou sont évoqué là, et l'en considérer tout tableau que M. Bono sont peine pour nous là dans le début journal là, nous tous d'accord et à l'unanimité que il y a nécessité pour remettre pays à sous rail démocratique, que nous remettre pays à sous route démocratie à tout bon vrai. Mais yon moyen qui permet de nous faire ça, c'est remettre institution au campé. Et pour nous remettre institution au campé, il faut gagner élection en de pays. Dans le document qui a circulé là, ou bien dans le document jusqu'à présent qui est en vigueur, même le pour publier, il prévoit pour M. Ariel Henry quitter le pouvoir en février 2024. Donc cela sous-entend à nous gagner élection fin année 2023. Si nous prenons en compte question constitution nous gen là qui pose problème question insécurité a question socio-économique yo question acteur politique pas 40 ans est-ce que vous autres au niveau de CAD nous ouais gagner possibilité pour une élection au plus tard fin année 2023 ça bon moi même pense que au campé tableau et élection sont ensemble de conditions qui parlent maintenant là d'abord c'est la sécurité d'ailleurs qui c'est priorité population hein, à quoi politique bon, c'est pour moun k'ap chercher pouvoir ou bien k'ap discuter de gouvernance mais population met un bagage sur table la sécurité donc je dis à nous besoin sécurité comme premier élément pour nous faire tout notre bagage que n'a fait son premier élément. Maintenant deuxième son pas besoin minimum de consensus et où t'es souligné le clair Johnny c'est que ou pas besoin tout acte chita malheureusement dans notre pratique nous ça font garder histoire nous passé nous après indépendance c'est vrai mais au niveau d'éducation que nous pas gagné depuis dans l'école etc la collectivité. Donc, là, c'est difficile parce que c'est le monde qui a trompé tout le monde et que c'est tout le groupe qui a besoin de pouvoir. Le groupe, ça a le pouvoir, il voulait qu'un bill, l'autre groupe, lui-même, voulait retirer pour le remplacer. C'est logique, ça a gagné. Vraiment, pas bon logique vraiment pour arriver à un minimum de consensus. C'est vrai que gagner des acteurs qui montaient en bonne foi. Mais nous n'attendons que mon document qui est proposé un minimum de consensus. Moi, c'est que dès le moment où les fondamentales pour mettre en place ce processus-là pour capable d'arriver à organiser l'élection, parce que tôt ou tard, on peut arriver pas à organiser les élections, parce que c'est démocratie qui choisit. On a arrêté de lui désigner un député pour vous, lui désigner un sénateur pour vous, lui désigner un président pour ministre pour non. C'est conditions qui pour créer pour que chaque citoyen soit capable d'exercer le droit de vote. Donc, nous, au début du mois de janvier, on nous dit que nous avons gardé jusqu'au 31 janvier, nous avons testé pour une dernière fois bonne fête, si vous nationalisez, si vous cherchez une solution pour le pays à vrai, si vous êtes des Haïtiens, on sait qu'on cherche une solution pour le pays avec des Haïtiens vrais, même parce que une leçon pour nous tirer, c'est pas prêt à regarder qui ça blanc, qui ça qui tout blanc, parce que souvent nous chita sous tout blanc,
alors que blanc lui-même il pas dans même réalité avec nous. Et parce que pendant un an presque 6 mois qui se passe là, c'est dans ça en pile mon trompe à vie qui s'abradit à faire des marches auprès de blanc pour prendre pouvoir etc., etc. C'est que vraiment il n'a pas tenu compte du position et blanc souvent qui pas connaît parce que attention sont l'autre bagaille et que nous même en tant que haïtien nous gain intérêt nous c'est Haïti d'abord. Donc on nous dit qu'il a fait vu que acteur pour une dernière fois il a prouvé bonne foi yo. Il a prouvé que c'est nationaliste, j'ai rempli le dire là. Il a prouvé que c'est haïtien, il a compris mon situation que je vous dis là, qui est vraiment déconcertante, avec la pauvreté, avec l'extrême pauvreté, avec la misère, avec les gangs qui contrôlent le pays, etc., avec mon capou, avec mon capou, etc., avec l'institution, yo, je dis à qui il faudrait. Donc, un effort au dépassement de l'histoire pour nous faire, pour tout le monde de bonne foi, porter participation par eux, vraiment pour ce pays, parce que nous, vraiment, dans le même bateau. Merci beaucoup, Maître Gédéon Jean. N'a pas rappelé où c'est secrétaire exécutif cadre de cette analyse à recherche droits humains qui rend public troisième rapport thématique lié sous question mandat constitutionnel et l'inouïon travail qui divisé en six parties. Nous capables citer échéance électorale présidentielle et sénatoriale sous 1991 à date. Question harmonisation qui gagne un mandat pour nous capables comprendre article 134-2 constitution. Et puis, notre travail ça, nous présentons une synthèse sous rapport qui concernait bien fin mandat constitutionnel présidentiel 7 février 2021. Merci en pile, bon lundi, bonne journée. Nouvelle ça a tombé semaine passée à en pile haïtien puis go revio c'est quitter pays en royen annonce ça yon occasion en or pour finalement by Haïti do possibilité pour administration Biden faciliter 30 000 migrants parmi yo haïtiens capables de rentrer sous territoire américain pile causé sous dossier ça en pile avocat d'ailleurs sur immigration déjà intervenu sur même dossier ça mais ça pas empêché en pile monde gagné dans tête une série information qui pas gagné pour avec la vérité et tout au moins selon c'était avocat qui voulait porter l'autre précision pour permettre que Mounio pas risqué yo dans aventure comme ça fait que l'autre monde cap chercher fait l'argent exploiter yo et comme ça nous rivé joindre maître Paul Henri Saint-Éloi qui c'est avocat il a un master en droit américain droit transnational à l'université Miami l'école de droit c'est avec lui matin à retourner sous dossier qui vient pour avec possibilité ça pour 30 000 migrants oui chaque mois tu es capable de bénéficier possibilité pour aller aux États-Unis. Maître Saint-Éloi, bonjour. Bonjour Guerrier Oudé, bonjour Guerrier Dissel, bonjour tout Météano, tout le monde qui a côté nous, bonjour Haïti, bonjour la Caïmoine, bonjour les employés de Rapid Plus Multiservice. Et bonjour tout employé à Chive National Cap Côté. C'est un plaisir aujourd'hui hein, pour me la caille moi pour m'avec nous. Donc c'est pas de tout hein, que nous retournons encore sous sans ce programme ça, un programme humanitaire.